Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0 dans lequel nous continuons à rechercher des humains qui nous permettront tout simplement de améliorer, enfin d'agrémenter notre crew, hein. Si possible en trouver un ou deux serait pas mal. De toute façon on mettra un drapeau là où on trouvera le truc, hein. Ça c'est clair, hein. N'inquiétez pas. Ce qui me fait penser qu'on va peut-être devoir s'arrêter aussi pour des plants de fibers, pour des fibres tout simplement. Hop. Crac. Et oui, je le savais, que ça ne passerait pas. Hop. Grosse bébête en haut. Oh. Oh. Hop, voilà. Là, c'est passé. Ok. Normalement, on devrait en trouver plus sur du plat. Mais, quand j'ai vu plusieurs screens du biome. Du coup, je sais plus ou moins ce que je vais trouver sur place. Encore faut-il en trouver, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, apparemment. Hop. N'inquiétez pas, quand on en aura trouvé un, on le reconnaîtra. Hein. J'ai vu le truc. C'est très... pour ceux qui ont vu camping, voilà. On peut plus sauter en même temps qu'on fait le dash. Aïe. Aïe. Pardon. On va peut-être prendre un petit peu de santé. Ça va nous faire du bien. Et est-ce qu'on peut se prendre un petit coup de bouffe pour... voilà. Pour la régène passive. Oh, 15 flares. Ça, c'est cool. Ah, attendez, il y a des... Tiens, bah justement, on peut peut-être jeter un flares. Je vais jeter un petit peu loin. Voilà. Crac. On fait environ 80, c'est ça, hein, normalement. Il y a du boulot pour faire un comment. Un drapeau. Parce qu'il nous faut du tissu, donc du coup, il nous faut des fibres. Non, redonne-moi. Ah oui, d'accord, c'est parce que je suis pas sur le bon. Hop, voilà. Tout ça, c'est bon. Hop. Problème résolu. Ok, on continue. Dis-moi qu'on va tomber sur un camp humain. Pour ce petit piège. Bien vicieux. Un petit camp humain, allez. Ah. Attendez, parce que j'ai vu des screens. Ah merde. J'ai vu des screens avec ce genre d'arbres. Hop. Du coup, j'ai espéré. Et qu'une seule tente, n'est-ce pas? Voilà. Oh la vache, ils sont nombreux dans le coin là. À vouloir ma peau. Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est un peu ça. Là, c'est un peu qui veut la peau de Marcus Bonus. Hop. Allez, hop. Tu t'en sors, merci. Ah non. Non, 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 non. Hop. Crac. Hop, voilà. Et nous sommes passés. Ok, maintenant j'aimerais trouver le... Parce que c'est un micro-donjon, donc... c'est un village, quoi. Alors là, il y a des trucs, du coup, je vais récupérer. Pas tout récupérer, apparemment. Hop. Voilà. Faudrait que ça repousse, c'est con.
Hop, là j'imagine, voilà encore une fois qu'il n'y a qu'une maison. Dommage, dommage. Un Hiker Trousers, bah écoutez, on va le mettre. Ok. J'aime vraiment pas le deuxième pied de... Hop. De cette pose. Hein. Peut-être que je le ferai corriger avec un mod, je sais pas. On verra. On verra, on verra, on verra. Yo. Merci d'être passé. Oh. Salut. Hop. Une espèce de bulle bizarre violet avec un crâne d'osselet sur la tête. Hop, parfait, je les ai eus. Un pistolet, non, ça m'intéresse pas. Hop. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver un camp humain. J'essaye de trigger le jeu en lui parlant, mais... J'ai pas l'impression que ça va marcher des masses. Ah, bon, une raison de descendre dans les profondeurs abyssales. Donc... Et donc, y'a rien. Génial. Merci, le jeu. Depuis le début, je cherche un truc, y'a rien, vous avez remarqué. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On a fait un épisode d'une heure où il y avait rien. On va peut-être en faire un d'une heure où il y aura rien. Oh, pourtant elle est jolie celle-là. Elle est très très jolie même. Ah, c'est bête. J'aimerais bien avoir une humaine comme ça dans le dans la ville, enfin dans mon vaisseau. Mais je peux pas les recruter, je pense ceux-là. Et c'est bien dommage. En plus, elle a une super tenue de... Oui, de, bah, de, d'explorateur, entre guillemets, si je puis dire. Mais bon. Hop, un petit peu de coton, je prends. Aïe. Mes pieds. Alors, si c'est pour me redonner 30 pixels ou 15 pixels, c'est pas la peine. Pff, c'est pas loin. Hein. Je crois que même l'équivalent, c'est pas 15 pixels. Hein, donc... Bon, allez, donnez-moi le camp. Faites pas vos... Bref, vos péripatétiputes. Ah, fallait pas que je dise ce mot. Dommage. Yo. Ah, attends, t'as du coton. T'as du coton à côté de toi. Ah, non. Non, toujours pas. Bon, bah tant pis. J'y crois, hein. J'y crois, chers amis. Je sais qu'on va finir par en trouver un, mais à quel... Après combien de temps de recherche et à quel prix? Il faudrait un planet analyzer. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Que je puisse savoir sur ça, sur chaque planète s'il y a ou pas un... Un camp humain ou pas. Il y a un mode qui existe. Ça y est, je commence déjà à penser à tricher. Non. Pardon, excusez-moi, un petit rototo. Hop. Non, oh, dommage. Ça, je récupère. Ouais, non, enfin... Oh, on a fait le tour, quoi. Oh là là. Bon. Eh ben, on remonte. Remarque, c'est qu'on trouve plein d'objets très facilement. Donc, c'est plutôt bon. Il ne reste plus que 8 à trouver, des comme ça. Nous sommes sur quel... Ah, en plus, on est sur la dernière. Est-ce qu'il y a une lune à côté? Oui, du coup, on va aller chercher un petit peu de carburant. Comme d'habitude, hein. Mais j'aimerais bien commencer à en trouver. Oh là là. J'aimerais bien en trouver. Et apparemment c'est compliqué. Et ça m'embête que ce soit compliqué. Là, j'ai pas trouvé un truc comme ça déjà. Silicon board, 1 sur 5, voilà, tout à fait. Bon. On retourne miner. J'ai de la place.
Hop. Voilà. Il va me le redire, j'ai détecté une entité, voilà. Qui semble en avoir après ton carburant. Oui, bien, d'accord. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment on arrive à le stocker et comment ça se fait que l'entité ne nous suit pas en dehors de la Lune. C'est ça la vraie question. Oh, nanovrap bandage, mais bien sûr, à ce niveau-là du jeu. Oh, du soin. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je voudrais savoir combien qu'on va en trouver exactement ici. Hop, 18. Là c'est pas intéressant, le nombre n'y est pas. Là encore moins, il y en avait un. Oui. Bon. On trouve quand même strictement rien. Alors oui, je sais, je veux pas aller dans les sous-sols parce que je veux pas m'embêter avec la bestiole. Mais bon, j'imagine qu'on va bien finir par y aller un jour ou l'autre. Et puis je vais être coincé, vous allez voir. Non, ça va. Ça n'est pas trop mal ressorti. Ok. J'imagine qu'il y aura un rayon Ghostbusters à crafter à un moment ou à un autre, et puis pouf. Elle disparaîtra, ou elle se solidifiera, puis on pourra lui tirer dessus pendant tant de secondes. Elle arrive, hein. Elle arrive. Hop. Hop, voilà. On récupère cette partie là aussi. Ce qui nous en fait un total de 81, soit environ 162 précisément. De carburant. Il y en avait une belle quantité un peu plus bas, c'est dommage, j'aurais peut-être pu la prendre. Hop! Mais bon. Du poison ? De la bombe, c'est encore pire. J'aurais presque dû attendre pour voir si ça lui faisait des dégâts. Même si j'en doute. Hop ! Alors ! Hop, non, je me prendrai pas de dégâts de chute, je suis désolé. Je suis sûr que c'est faisable de toute manière, donc... Et que je serai le premier à m'en prendre. Hop. Ok. Là, on va récupérer cette aussi en ligne droite, même s'il n'y en a pas des masses. Hop, il en reste un, mais c'est pas grave. Je préfère avancer. Ok. Il n'y en a plus ? Ah. Forcément, j'ouvre ma bouche. Ok. J'en ai récupéré un peu plus. Nous sommes à 131. Sur un total de 262 points. Hop. Faudrait que j'arrive à en trouver 1000. Ce qui me fait 2000 et donc 2 trajets vers une distance inconnue. Ce qui serait extrêmement pratique. Mais bon. Parce qu'en fait avec ces 1000 là, je peux me déplacer à peu près n'importe où dans l'univers, je crois. Enfin, en tout cas, c'était comme ça avant. Et du coup, je pourrais aller sur un site qui me donnerait une adresse avec potentiellement un camp humain. Et du coup, récupérer mon truc et revenir dans la zone où j'étais avant, quoi. Qui serait peut-être plus rentable que de me balader complètement au pif
en espérant tomber sur ce camp. Question, est-ce que le chat respire? Ou est-ce qu'il est complètement mort? Est-ce qu'il est empaillé ou pas? C'est ça la vraie question. Hop. Bon, elle me rattrape plus, hein. On l'a perdu, je crois. La grosse bestiole. Elle n'est plus un danger, on en a trop récupéré. 189. Incroyable. Incroyable. Bon. On va la voir arriver en sprint, vous allez voir. Lâchant qu'on va la voir là un petit peu. Bah la voilà. Finalement. Yo! Tu te prends toujours pas de dégâts au passage? Non. Hop! Faut avoir le fusil anti-fantôme de Ghostbusters. Je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus le nom qu'ils leur donnent dans Ghostbusters, c'est dommage. Honte sur moi! On l'entend, on entend bugger le son, on entend boop, boop. Hop. Non, pas de dégâts de chute. Je ne m'en prendrai pas. Ok. Et du carburant, c'est possible d'en avoir, merci. Oh merde, alors ça c'est la pire connerie de ma vie. Et ça aussi hein. Hop. Hey. Bye bye hein. Hop là. Hey, il m'a piqué de la vie quand même le sac. Il m'a touché. J'ai vu une bubule mais je crois pas qu'il ait le temps de la faire venir jusqu'à lui. Bon. Hop, un petit plein. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Forest. Ah, je me suis trompé de bouton. Donc, casse-toi. Casse-toi. Voilà. Merci. Et le chat, casse-toi. Hop. Ok. Là, on n'a rien d'intéressant. Lush avec une lune. Ah. Ah ah. Ah ah. Bon. Pour de la bouffe cuisinée, ça rapporte pas grand chose. Hein. Hop. Hop, des popcorn. Je crois que les popcorn en plus se stack. Dis-moi que les popcorn se stack. Eh merde! Les popcorn ne se stackent pas. Cool. Cool, 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 j'imagine. Du titane. Ah oui, du silk. Oh, j'avais oublié. Faut alors qu'on retourne sur la première planète. Pensez à aller récupérer du silk. Ce qui veut dire qu'on va sûrement avoir besoin. À moins que si, ça. Attends. Normalement, ça donne peut-être du silk ou du raw silk. Je ne sais plus. Merde. Faudra voir. Bon. On descend. Crac. Et on va bien voir. Sur cette planète, on va trouver un camp humain. Allez. La motivation. Bon, ça commence bien déjà. Ce n'est pas un camp humain. D'accord. Non! Arrière, ville créature. Hop. Voilà. Hop. Hors de mon chemin. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Oh là. Oh là. Non. Mais je préférais. Ah, oh, mais merde.
Bonjour. Et tu me donnes pas de quête. Attendez, faut que je regarde un truc. Est-ce qu'on peut avoir ou pas des alliés de ces races-là? Je pense pas. Je sais pas. Eh ben je sais pas, c'est pas marqué. These must races. Oui bah écoute, je suis là effectivement. Bon bah écoute, moi je me barre hein. Enfin, c'est de l'huile au sol ou c'est quoi? C'est du mud. Sans water. D'accord. Hello darkness my old friend. Tu vends quoi toi? Que du caca. D'accord. Il se casse, merci. Tu le dis si je te fais chier copain. Hop. Crac, moi j'analyse tout hein. J'aime bien ces poubelles là, je vais les prendre. Hop. Oh c'est bon, calme-toi. Il a repéré que j'avais pris quelque chose. Du coup il me suit jusqu'au bout du jusqu'au bout quoi, c'est. Non je me casse, fais pas chier. Déjà j'aurais préféré un village humain à cette saloperie de village. Grenouilleux, on va dire ça comme ça. Puis j'en ai pas un pour me filer une quête. Allez! Allez! Un village humain, allez! Qu'est-ce que. D'accord. Foutu piaf. Et merde! Peut-être nombreux en plus! Y'en a qu'une. Y'en a qu'une. Hop. Bon. On peut en trouver pratiquement que sur... Enfin... Ils me disent que sur ces planètes-là, je me doute que finalement non, parce que voilà. Mais bon. Voilà, il faut que je la rallume, d'accord. Ok. Le poison a fait son effet, je vais prendre quand même la Living Roots. Hop. C'est bête, hein. Est-ce que tu peux mourir du poison, s'il te plaît? Tant pis. Tant pis, tant pis. Je l'aurais demandé poliment. Ok. Là, il y a encore une fois rien du tout. Merci d'être passé. On en a à combien de machin de 17. À 24, on pourra passer à un autre type d'amélioration, je pense. Hein. Je précise, mais... Ok. Meurs. Ok, c'est bon. Bon bah là j'ai rien de véritablement intéressant. Voilà. Plus de raison de s'embêter moi. Tant que je trouve pas mon truc, je vais plus m'embêter. Je vais bourrer. Hop, boum. Regarde, boum. Boum. Mon camp humain, où est-il? Donnez-le-moi. Je le mérite depuis le temps que je cherche. Ce qui est vrai, hein, je pense que c'est vrai. Hop.
Allez. On va pas le trouver, hein. Vous allez voir, on va faire le tour de la planète, on va pas le trouver. On n'aura pas sur celle-ci non plus. Commence à faire soif chez moi. Tiens les oiseaux. Boum. Ça y est, je viens de saloperie. Je deviens vilain. Tu veux devenir un homme vilain? Viens, je vais te faire devenir un homme. Je crois que c'est ça à peu près la réplique. Hein. Hop. Il manque le coup de crosse dans ce jeu en fait pour finir. Yo! Fiche-moi la paix! Merde! Fiche-moi la paix! En plus, c'est pas comme s'il pleuvait! Putain, le popcorn est hyper nutritif en fait! Comparé à d'autres choses. Oh, on a fait le tour! Bon. On va pas y arriver, hein. On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Non. Oui. Me dites pas qu'il y a le bonne façon, qu'il y ait le biome ou pas, ça sera pas ce que je recherche. Ok. Alors je commence à avoir tellement de caca sur moi que ça va pas le faire. On est d'accord, hein, ça se perd pas là-dedans. Le riz non plus, ça se perd pas de toute façon. Ça, je peux le virer. J'ai tellement d'armes différentes sur moi que ça va pas le faire. Non, c'est pas ça. Pourquoi je fais un bruit de mobilette? Ça va pas. J'en ai deux comme ça, je vire. Voilà. La petite dague bleue qui a pas le level, je vire. Ça, je vire. Hop, parfait. On y retourne. Là ça commence à être embêtant. Honnêtement, je sais même pas quelle heure il est, ça fait tellement longtemps que je tourne. Je sais même pas quelle heure il est. Puis il fait nuit, mais bah oui, bien sûr, on commence dans la nuit, comme ça c'est bon. Tiens, pourquoi pas. Un petit peu de lumière. Hop. C'est ça qui est bon. Tiens les oiseaux. Une bestiole avec vous, les oiseaux. Du coup, j'ai tué la bestiole, les oiseaux. Hop. Donne-moi un village humain. Avant que je ne pète une durite. Si ce n'est pas déjà fait. Wow, les toucans. Il y en avait deux, normalement. J'ai cru en voir deux. Wow. Des vraies lianes. C'est rigolo. Hop. Merci. Mince. Mince. Maman, le jeu, il est méchant avec moi. Alors. Je regarde vraiment trop par tueur, mais ça va pas le faire. Oh là. Aïe. Non, même pas. Bon, bah tant mieux. Oh, elle est jolie cette hache pourtant. Aïe! Oh, gros sac! C'est pas à toi que je parle. Enfin, à toi ou à eux? On leur dit quoi? On leur dit eux ou on leur dit toi? Hop, un coffre. Qu'est-ce que... Une tenue de chef cuisinier? Bah pourquoi pas, écoute. Hein, moi, je veux bien la prendre. Ah, puis elle se lève et tout, hein. Genre, qu'est-ce qu'il y a sous mon pagne? Rien! Je vous le dis, y'a rien. Bon. Alors ce qui me fait chier, c'est que je me demande si ça, en fait, ça prend pas déjà une place de donjon, quoi. Ah mais merde, Crudy. Bon, vous savez quoi. Hop, rien à foutre. Bonjour.
Hop. Je saccagerai des milliers de planètes s'il le faut. Alors donnez-moi mon camp humain. Bande de sacs. T'auras pu te réveiller au bon moment, toi, quand même. Hein. Merde. Alors. Mon camp humain. Oui, j'ai niqué la chouette que j'avais dit que je voudrais avoir. Hop. Oh, il a survécu. Bon, il a pas survécu au poison, cela dit. Le poison. Le poison. Alfred, le poison. Le poison. Voilà. Oh, de la neige. Cool. Ça doit tellement dire qu'on n'est pas dans le bon biome, en fait, en vrai. Soyons honnêtes. Cette tenue est la plus absurde que j'ai jamais faite. Un chat sur la tête, des noix de coco sur les boobs et un truc de cuisinier. Sans compter le backpack. Ok, c'est bon. Par contre, je pense pas que ça va être par là que je vais trouver quoi que ce soit. Hein. Parce que ce serait pas un des fameux biomes légendaires là où il y a justement l'épée dans la pierre. Je pense que si. Hein. Off. Ça va bien, Marcus. Ah, tu l'as pas vu venir ce coup-là, hein, Marcus. Bon, Marcus. Sors la bouse. Hop. Crac. Voilà. C'est quoi ce bestiole? C'est quoi? Elle roule sur elle-même. D'accord. Why not, hein? Bon, j'aurais vu des biomes super méga rares. Hop. Je crois que j'ai tué la bestiole. Hop. Alors. Hop, ça c'est fait. Un casque. Ça y est, je suis habillé pour la Gay Pride. Excusez-moi, mais j'ai rien contre les gays. Hein. Je leur précise à nouveau, hein, parce que certains se posent des questions parfois. Je n'ai rien du tout contre eux. Ils vivent leur vie sentimentale comme ils le veulent. Parce que oui, tout le monde pense que être gay c'est avant tout sexuel, mais non, c'est sentimental. Bon, bah on retourne sur une... Ah si, elle est là-bas. Oui, il est là-bas, je ne sais plus. Alors, ça nous en fait combien des machins de manipulateurs? 19, wouh, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Bref. Oh, toi, le petit couple là. Bim. Oh, bah, j'ai même eu celui qui était en dessous. Ok. Le petit coffre. Une grande épée dedans. D'accord. Allez, un petit camp humain. S'il te plaît. Puis le temps que je cherche. On peut pas passer 2 heures à chercher sans le trouver, quoi. Enfin, sur le principe. Oh, je trouve des armes épiques. Par contre, est-ce qu'elle va faire des dégâts à ce niveau-là? C'est ça la véritable question. On va la mettre là. Voilà, je l'ai chargé à fond. 7-7-7. D'accord, bon bah elle en fait, on va dire. Par contre, elle prend tellement d'énergie. Hop, attendez un instant, hop, voilà. Hop. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Ouais, le légume, enfin le fruit ou le légume est déjà pris. Ce qui veut dire qu'on est déjà passé par là, ce qui veut dire qu'on a fait le tour, et ce qui veut dire qu'on a encore une fois pas trouvé.
Ça commence vraiment à m'emmerder. Et désolé si c'est vulgaire, mais là, pour le coup, Frozen Star, donc c'est pas la peine. Radioactif, c'est pas la peine. Radioactif, je crois que c'était une... Hop. Forest. C'est pas la peine. Lush. Allons sur cette lush. Bon, bon, bon. Là, ça commence vraiment à m'emmerder. Soyons honnêtes. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Le nom du premier épisode. Enquête de camp humain, voilà. Je vais finir par mettre partie 1, partie 2. Voir partie 3, parce que partie comme c'est, faut pas se voiler la face. Alors. Alors. Bon, tu me fais descendre ou pas? Hello darkness my old friend. C'est un peu ça en fait que j'entends dans ma tête hein. C'est que je le trouverai jamais et que du coup ça sert à rien que je cherche. Ok, c'est parti. Oui, c'était pour le plaisir, c'était pour chauffer mon armement. Allez. Pas 30 pixels, sinon ça va pas le faire. Hop, voilà. Je n'ai plus aucun respect pour la vie. Hop, ça c'est fait. Des patates. Je récupère juste les seeds. Hello darkness my old friend. Putain mais ça gave le popcorn quoi. Hop. Oh c'est bizarre comme bête. Vaut mieux que tu meurs. Tu seras mieux morte. Oula. Déjà. C'est pas hyper bon signe hein, si je puis dire. Hop. Ah, personnellement je le sens pas. Aïe. Ok. Bon. Ah bla. Je suis passé. Un petit coffre. Ah, peut-être qu'on a trouvé encore un matter manipulateur module là, non? Non, pas du tout. Hop, tu m'avais même pas le, t'as même pas le temps de me voir, toi. Hop. Crac. Allez, un camp humain, mais c'est saoulant. Ah. Vu que je n'ai plus aucun respect, hop, je casse tout. Crac. Je peux récupérer l'œuf. Oui. Oui. Oula. Ça en fait du bestiaux par là. Ok. Bon. Certains aspects de ce jeu que je déteste. Ah, oh, des bandits. C'est bête, hein. Boum. Merci d'être passé. Bon alors, je trouve des camps de bandits, je trouve des armes qui n'ont rien à voir avec le biome, mais... possible.
Je ne trouve pas de camp humain. Là, ma mort était assurée, hein, chers amis, je pense. Hop, on va récupérer quelques pixels. On en a combien? 6900. Et en plus, les pixels ne montent pas si vite. Bon. Un biome régène, ça tombe bien, j'ai besoin d'un petit peu de santé. Mais je vais appeler ça des biomes régène maintenant, rien à foutre. Hop, merci de passer. Canne à sucre. Coffre. Pour une fontaine, ouais! Vous avez senti la joie dans ma voix? Ou pas? Oh mais non mais... Oh, il y a encore un... Merde. J'imagine que ça va se jouer au millimètre près. Ah, la vache. La vache. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'aime bien quand le jeu fait des choses. Voilà. Hop. Dis-moi que l'œuf est stackable. Eh ben non. Oui, l'œuf n'est pas stackable. Ah non, j'ai cassé l'œuf, à mon avis, en fait. Ah, d'où le petit bruit de craquement. D'accord. Le mec, il comprend avec 10 minutes de retard. Mais c'est pas grave. C'est compris. C'est ça qui compte. C'est ce que vous diront vos profs. Vous avez peut-être pas compris à ce contrôle-là, mais peut-être qu'au prochain, vous aurez compris. Donc, c'est pas grave. C'est compris. Allez, 15. Ça serait bien. Ça serait bien. Franchement, ça serait bien. Le fait que les profs anticipent votre compréhension. Enfin, je dis ça à mon meilleur ami, on va voir s'il est d'accord avec moi ou pas. Hop, voilà. Meurs. Meurs aussi, toi. Là, j'ai vu un coffre qui potentiellement peut être intéressant. Une pile. Et tout un tas de bonnes choses, d'accord. Ah, il a survécu, le sac. Voilà. Yo. Oh, mais merde, j'y ai cru. J'y ai cru, nom de Dieu. J'y ai cru. Oh, fait chier. C'est chiant. J'y ai cru, moi, chers amis. Bon. J'y ai cru. Oh, quelle horreur. Quelle horreur de chercher un pauvre humain. Et vous allez voir, hein, quand je vais en avoir un, ce sera un pauvre... comment que ça s'appelle concierge. Ah, attendez. Merde. J'ai attaqué l'Apex. Fais chier. Yo, l'ami. Désolé, je voulais pas te faire du mal. Oh, t'as rien sur toi, par contre. Hein. C'est une catastrophe. Tech card, génial. Au niveau des... Toujours 19. On augmente plus depuis quelques temps, là. Hein. Là, c'est pas bon. Jamais rien là-dedans. Le lapin, il est mouru. Le deuxième lapin. Le troisième lapin. Là, y'a rien non plus. Oh là là! C'est terrible! C'est terrible. Un monstre à deux têtes? Non. Tu me diras, il m'a vu de loin. Non plus. Voilà, il a survécu! Bon, tant pis pour lui, hein. Les affres de la souffrance pendant tout le reste de ta vie, tu vas connaître. Hop! Je parle comme Yoda des fois, c'est violent. Bon. Oh putain. Oh, j'ai vu ma mort arriver à grands pas. Soyons honnêtes, je me suis vu mort plus d'une fois sur ce coup-là. Bon bah. Oh la régène que ça apporte. Le pire étant que je crois qu'au début j'ai dit que ça rapportait rien. Mais c'est vrai que par rapport en fait aux autres trucs, tu pourrais imaginer que ça rapporte plus, et bah non en fait, ça rapporte
Donc bon. Bon, bon, bon. Donc toujours pas de camp humain. Hop. Oh mais merde. Fais-moi le plaisir de mourir. Merci. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a disparu ou il est projeté? Il est joli celui-là aussi. Il fait combien mon marteau? 27, ah oui, donc il est loin. Il est très très loin. Le jeu est vraiment méchant parce que regardez, il me montre ça en me disant non non. Hop. Et on a fait le tour parce que les fruits sont récupérés. Ouais. Bon. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Oh, c'est d'une... En plus, je suis trop con. Non, non, je pense qu'avec les... Avec les places restantes, je m'achèterais un pingouin ou des pingouins. Tout simplement. C'est stupide. Soyons plus malins que ça. Bon, bon, bon. Forest. Forest. Oh là là là, ça va pas le faire. Quand ça veut vraiment pas, ça ne veut vraiment pas. Hein. Donc, vaut mieux que je parte vers le nord parce que je viens du sud. Et on ne trouve dans le nord aucune. Oh la gueule. Il y en a pas la moindre. Pas la moindre. C'est violent. Bon bah on va partir par là. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Eh ben non. Par là peut-être. Mais c'est quoi ce bordel? Forest. Forest. Ah merde, je suis allé trop loin. Désert, désert, de toute façon. Hop, voilà, donc non. Mais regardez ça, il n'y en a plus. Il y en a juste plus. Forest. Pour rien. Hop. Forest. Et rien, d'accord. Radioactive, radioactive. Radioactive, radioactive. Et il n'y a pas une seule planète. Ça, c'est du Frozen. Libéré. Délivré. Ah bah ça va pas le faire. C'est pas possible, je cherche des planètes, mais je ne trouve pas. Forêt. Alors la neige, c'est encore pire. Océan. Forêt. Alors attendez, je vais quand même regarder, mais... Alors ça n'indique pas les biomes, c'est chiant. Oh mais c'est pas possible. Et je ne trouve pas à portée de saut la moindre planète. Enfin le moindre système gentle hein. Vous avez vu ça? Ah si là il y en a. Faut aller à quelle distance? Forêt. Ah mais j'ai pas trouvé la planète Lush. Lush, ouais.
Bookmark. Lush. Planète. La genre loin. Très loin. La genre loin, voilà. Ok. On va aller sur la lune, c'est pas grave. On va aller farmer. Ah là là. Vous avez vu à quel point c'est bizarre? Ou alors je passe sur autre chose. Tant pis, je passe sur une autre planète. Je suis là, bah je pars vers le nord petit à petit, puis on verra bien. Dry Grassland. Bah merde, je suis juste à côté du vaisseau. Non? Non, bon bah tant pis. Ici alors. Hop, Dry Grassland, bah voilà. Hop, on va y aller petit à petit, tant pis, on verra bien. Mais alors là, je suis assez déçu, là, pour le coup, hein. Vu le nombre d'heures de farm qu'on a passé, enfin, ça fait 2 heures qu'on farm ou pas, presque, les planètes, et on n'en trouve pas une seule, je sais pas comment j'en ai fait peut-être 10 et pas un seul camp, quoi. C'est violent. Voilà, ça va être le long de l'épisode. La violence. Des statistiques. Statistiques. C'est bon. J'écris tellement vite, des fois j'arrive pas à suivre. Mon cerveau ne suit pas. Bon, j'adore cette chaise. D'accord, on a donc un œuf. Voilà, je bouffe. Du popcorn. Voilà, et on a quelque chose à faire ici avec. Oh! Oh! C'est bon ça. C'est vrai que c'est bon. Ok, fais-moi descendre. J'ai dit, fais-moi descendre. J'annonce le prochain village que je trouve, dans lequel je trouve quelque chose, je recrute quelqu'un. Il me faut mes 2 places et tant pis. Ah mais... Vache. Ah oui, ça fait bizarre, hein, ils survivent maintenant les mecs. Hop. Ok. Je sais pas si je peux les recruter ces trucs là aussi. Hop les. Ok, si tu le dis. Hop. Un vrai village par contre, hein, ça serait bien. Ah mais merde, je les ai pas vus. Ils survivent à ça en plus, ça c'est violent. Hop, meurs. Voilà. Ok. Encore une de ces grosses saloperies. Allez, le poison ça fait mal, hein. Parfait. Ok, ils sont full PV quand même, hein. Je veux pas dire, mais. Ok. Boum. C'est bon, j'ai l'impression qu'il se fait quand même tabasser derrière, mais bon, c'est pas grave. Pff, un pauvre fruit. C'est une torne grenade. Non, c'est un fruit. Sinon, il y avait l'espèce de truc de durabilité qui était apparu en vert en bas. Ok, j'ai reçu un fusil apparemment. Ou un pistolet. Pistolet. Bon bah, va te faire foutre alors. Si c'est qu'un pistolet, va te faire foutre. Ah, il a tué la bestiole, je suis sûr. Ouais. Saloperie. Enfin, il a tué le mec. Ah, mais non, mais. Putain, mais. Je dis que le prochain villageois que je trouve, je vais le. Et le jeu me dit non, 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 non. Tu vas tomber plus que sur des bestioles comme ça, du coup, tu pourras pas les recruter. Ok. Ah, les torn grenades. Voilà, je peux enfin les crafter. Le jeu, voilà. Ah mais hop hop, voilà, ça c'est fait. Soin. Hop, je peux pas manger ça. Ah non, je suis déjà full. Bon bah écoute, soin comme ça alors. Ça fait longtemps qu'on avait pas eu besoin de ça. En tout cas, on a pu voir que si on traîne sur oh, putain, mais c'est violent les monstres ici. Si on traîne sur des planètes de type classique, on pourra tomber sur de quoi nous soigner, quitte à farmer un petit peu. Tu vas peut-être farmer en live, peut-être. On verra le moment venu.
comment ça se passera. Hop. Et on n'a pas trouvé un seul village. Hein. En tout cas, pas un village classique. Ça, c'est tellement toi. Oh la vache. Aïe. Ça se sent. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je vais récupérer ça. Et ça. Hop. C'est un donjon? Apparemment c'est un donjon. Hein. Le bouton N, il est là. Hop. D'accord. Ok. Alors, est-ce que scanner sert à récupérer des objets en 3D print? Parce que le 3D print, j'ai toujours pas du coup. Oula, il y a de la lave en bas ou c'est de la lumière? C'est de la lumière. J'aurais bien aimé que ce soit de la lave, je l'avoue. Qu'est-ce que... C'est plus du donjon, ça. Ça fait pas partie du donjon, comme on dit. Oula. La mémoire, ces saloperies sont capables de faire des choses bizarres. Dégage! Ok. Du poison. Hop. Tu vas mourir? Ah non. Non, ça a pas l'air de la tenter plus que ça. Hein. Ok. Voilà. Hop. Il est clair que ça n'avance pas. Hein. Hop, remonte. Que je peux dormir là-dedans ou pas? Non. Non. Ok. Là-dedans, c'est vide. Oula, c'est quoi ce petit dash qu'il a eu? C'est quoi ce petit dash qu'il a eu? Tellement d'interfaces qui sont apparues d'un seul coup, là ça va pas. Pixel. Ok. Hop, t'es mort. Ce qui en soi est plus ou moins une bonne chose. Ok, lui aussi. Un coffre bleu. Cela voudrait-il dire que nous sommes arrivés à la fin du donjon? Oh, avec un truc de téléportation. Oui, téléportation, c'est ça. Ça fait de la lumière, je prends. Ça, je scanne aussi. Ok. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, comment je peux... 3D printer, littéralement. C'est pour ça que je scanne à peu près tout, des fois que c'est un rapport avec ça, en fait. Je m'en doutais un petit peu de ça, à vrai dire. Bon, du coup, il y a une saloperie qui va vouloir me suivre. Voilà. Retourne dans le poison, c'est ta place. C'est là qu'est ta place, on va dire. Hop, parfait. C'est du poison? Non, c'est de l'eau. Ok. Ici, on a tout scanné déjà, par le siège.
Ok, là c'est la fin du donjon, pourquoi pas. On s'en sort pas si mal. Oula, c'est peut-être un petit peu beaucoup de monde là. Allez, j'en loutais. C'est quoi ce petit machin avec le petit singe qui s'allume? Regardez-moi ce petit singe! Qu'est-ce qu'il dit? Je prends. Ah non, je le veux! Je le veux! Une épée à deux mains, flying slash. Eh bah écoute, moisi. Moisi, moisi. Est-ce qu'on peut récupérer un petit peu, enfin utiliser un petit peu de bouffe? Voilà. J'adore ce petit singe. Bien creepy à souhait. Hop. On remonte. Crac. Apparemment il flotte au-dessus de nous. C'est génial. Alors ici, on avait déjà fait. Le poison. Apparemment il y a un autre passage, mais bon. Honnêtement, je suis pas fan de ce donjon. Hop. Surtout qu'apparemment l'autre coin, faut creuser pour l'avoir. Aïe, je suis stupide. Alors, ça c'est quoi? Des pixels, génial. Bon, pas en grosse quantité, mais pixels quand même. Peu d'argent, bon bah pourquoi pas. Je m'en doutais que tu serais agressif. Je l'ai senti dans mes os. Tu serais agressif. Oh, de quoi me soigner, cool. Bon, par contre, toujours pas de choses intéressantes, de village, de machin de bidule. Comment je fais pour récupérer mon deuxième bonhomme? Un petit machin rose, je préférais prévenir que guerrière là aussi. Alors, un petit village, c'est pas trop demandé. Bon, là, je suis bon pour creuser, hein. Soyons honnêtes. Hop, merci. Crac. C'est bon. Hop, on les a eu. Oh, la survivance de cette bestiole. Je suis passé par là, non? Parce que c'est, il y a déjà plus d'eau. Bizarre. Alors, je vois un œuf ici à récupérer. Oui! Il est stackable ou pas finalement? Non. Aïe! Hop! Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que, ce que j'entends dire par stackable, c'est pour savoir simplement si. Si en fait je peux en mettre. Vous voyez, comme le riz par exemple est stackable, je peux en mettre 47 sur la même, case. Tout simplement. Hop. On a un coffre qui est légèrement sous terre, on va aller voir. Hop. Ben voilà. Un casque que j'ai déjà. Par contre, j'ai toujours pas plus de... Ah si, j'en ai 20. Ouais, il m'en faut encore 4. Vous le sentez l'entrain là? Hop. Ça, j'arrive pas à les buter. Boum. Ah, dommage. Ça aurait été tellement propre. Hop, ça c'est fait. On va aller regarder l'œuf. Mais ah merde, je suis con, j'ai pas le blink. Les mauvaises habitudes qui reviennent. Et non, pas d'œuf. Pas d'œuf, pas d'œuf. Ok. Bon.
Pour un peu, on pourrait presque oublier qu'on est sur une planète de type dry sand, là. Enfin bon. Oh, la taille de sa bouche quand il l'ouvre, lui. Putain, il se déplace vite, mais bizarrement. D'accord. Ok. Ça ressemble au tout début de la... On a fait le tour. On a fait le tour, chers amis, je pense. Oui, on a fait le tour. Ils sont deux. Ah non, on n'a pas fait le tour. Yo, les amis. Ça va? Vous pourriez pas, genre... accepter de monter sur le vaisseau? Avoir des quêtes à me donner, tout ça, non? Non, pas. J'aurais littéralement essayé. Bon. On trouve rien. Hop. Hop. Ok, rien. Apparemment rien, c'est à peu près la seule chose qu'on peut trouver dans ce jeu, assurément. Hein. Hop. Alors apparemment c'est... L'envie de suicide que je viens d'avoir. Ok. Quelle ambiance. Mon personnage a dû rêver de suicide l'espace d'un instant. Ok. Ouais, mais c'est des personnages dont j'ai besoin, moi. C'est pas des donjons. Ah, c'est problématique, ça. J'ai besoin de monde dans mon vaisseau. Pour l'agrandir. Et je veux pas emprunter un pingouin. Hop, je l'ai eu. Yo. On dirait un kimono, c'est joli. D'accord. Non, non, mais va voir ailleurs si j'y suis, hein, c'est pas plus mal. Ok. Ah oui, j'avais oublié que ça survivait à tous ces trucs-là. Un biome sable. Enfin, un biome colorful, très techniquement. Hop. Seriously? Que ça importe, génial. Bah, par contre, on va peut-être falloir que je tape avec une épée, ça a été peut-être mieux. Bah, pourquoi ça veut plus? Ah non, bon bah il n'a pas, simplement. Hein. Hop. Ok. Merci. Je vais quand même vérifier là-dessous ce qu'il y a. Rien du tout. Ok. Ok, ça je l'ai pas vu venir. Hop, je l'ai eu finalement. Petit peu de raisin, ça fait du bien. C'est presque un proverbe. Ah mais merde. Aïe. Non, je ne parle pas japonais. Enfin, disons simplement que ce n'était pas du japonais. Hop. De toute façon, qui ne parle pas japonais de nos jours. Hop. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non. J'étais coincé, sinon. Hop. Bon. Il n'empêche, on a toujours rien trouvé. T'es sérieux, il y avait un bâton de mage là-dedans.
Attends, il y avait un bâton de mage là-dedans. Seriously. Faut que je trouve un truc à virer. Le pistolet. Hop, voilà. Il y avait un bâton de mage là-dedans. Ah non, c'est une baguette. Ouh! Je me fais des dégâts tout seul aussi. Putain, puis ça auto-guide des boules. Seriously? Ok. Ok. Arme cheatée, attention. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, c'est une arme cheatée. Ok, bon, bah ça va, c'est pas trop mal. Et on trouve plus d'ennemis, bizarrement. Ils veulent plus m'affronter. Maintenant que je suis équipé. Non, c'est fini. Bon, tant pis. Je suis vexé. Je l'avoue, je suis vexé. Ah, en plein. J'ai envie de tester un truc. Hop. Eh ben c'est bien comme arme. Juste pour voir. Lion. Hop. Yo. Oh, mais tu veux pas que je te vole, je sais bien, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une petite bestiole, un petit truc, là. D'accord. Bon. Cela dit, encore une fois, je ne trouve pas du tout de... de village à proprement parler, quoi. Yo. Hop. Ah, là, ça ressemble cette fois-ci au début de la planète. Ça ressemble beaucoup, même. Ça y ressemble même, je dirais, énormément. Boum. Bon. Hop. Toujours pas de village, alors du coup, toujours pas de planète. Enfin, toujours pas de crew, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Je suis désolé, on ne trouve rien de ce qu'on cherche en ce moment. Donc, bon, peut-être le temps de faire une petite pause de 2 jours. Hein, parce que là, je vais pas en tourner demain, j'en tournerai après-demain. Donc, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop! Il me colle au cul ce hilote là. Va peut-être falloir que j'en trouve un deuxième. Ou alors j'irai pour le fun aller en chercher un deuxième. On verra. Bon, salut !